Voilà, parfait. Donc, on part sur notre frontale, Gaël. Donc, on va clipser nos commandes de frein sur les élévateurs. On va bien écarter les genoux pour avoir de la stabilité dans notre sellette. On va placer le regard sur la voile, le dos est bien appuyé dans le fond de la sellette. On va saisir nos élévateurs avant et boum, on tire d'un coup sec dessus et on relâche. C'est quand tu veux. Voilà, et on relâche, bravo, on laisse faire. Ok, va chercher du frein, tac, ok. Donc t'as vu, alors, je sais pas si t'as agi au frein, mais la voile est allée se bloquer un petit peu derrière. Elle a attaqué une parachutale assez longue. Et puis du coup, bah, en prenant de la vitesse, au bout d'un moment, la voile s'est réouverte. Voilà, donc typiquement, hein, sur des actions comme ça, hein, et c'est possible qu'il faille des fois aller chercher le frein pour remettre ça tout comme il faut. Voilà, et puis on va essayer d'en tirer une deuxième pour voir si on pas plus forte, essayer de tirer la même pour essayer de voir si on retrouve le même comportement. C'est quand tu veux. Ok, donc là tu vois, on a tiré un petit peu moins fort et donc du coup bah, c'est sûr qu'on a une frontale qui est un petit peu plus cool, mais on obtient plus un truc classique avec la petite bascule derrière. Ok, bah écoute, c'est bien validé hein, ça, notre frontale, hein, Gaël, c'est nickel. Tu laisses reprendre tes commandes en main, Gaël. Oh, tu me fais un demi-tour par la gauche. Ah, toujours pareil, tu vois, on reste bien dans le box d'évolution. Voilà, parfait. Et sur cet axe, du coup, on va se faire des mouvements de tangage. Donc on va essayer de faire des beaux mouvements de tangage. C'est quand tu veux, je te regarde faire dans un premier temps. Voilà, trop tôt. Alors bravo, on freine, et bravo maintenant. Voilà, tu vois, il faut attendre plus tard. On freine, et tempo. Parfait, ça, très très bien. Ok, je te laisse faire demi-tour par la droite. Ah ouais, voilà, par la droite. Donc là, c'est bien le tangage, t'étais au top, mais c'est juste que tu avais tendance à relâcher un petit peu tôt tes tangages. Ok, c'est tac, Gaël, maintenant. Tu me fais des beaux roulis, j'essaie de me faire des beaux roulis à la sellette, tu vois, que ça prenne bien de l'amplitude, je te regarde faire. Donc Bruno, c'est beau déco, tu feras juste attention à pas relever trop les mains. Ah, ok, boum à droite maintenant, allez, fort, 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 boum à gauche maintenant, fort, boum à droite. Et on maintient, boum à gauche, on maintient, boum à droite. Et boum à gauche. Et boum à droite. Ok, attention à l'autre voile, hein, je dois pas voler. On va ressortir tranquillement. Ok, donc t'as vu, dans le timing, toi, le souci, c'est que t'avais tendance à attendre un petit peu tard, tu vois, pour renverser la sellette. Et donc, du coup, on avait du mal à obtenir de l'amplitude. Donc, tes appuis ont l'air efficaces, mais t'as vu, il faut avoir le bon timing si on veut obtenir de l'amplitude quand même. Donc Bruno, les exos, c'est pas pour toi, c'est pour Gaël. Je te laisse avancer face à la carrière, Bruno. Bah écoute, Gaël. On va clipser, tu choisis ton côté. Tu vas clipser ta commande du côté où tu veux faire ta fermeture. Une fois que c'est fait, soit saisir deux suspentes bien haut, soit tirer directement l'élévateur avant en entier. Et donc on tire notre fermeture et on se laisse tomber côté où ça s'affaisse, côté fermeture. On laisse faire un demi-tour et à ce moment-là on contre à la sellette pour ressortir. On laisse partir. Et là on contre à gauche à la sellette, on contre à gauche à la sellette, on contre à gauche. Voilà, on relâche le contre. Ah, attention à bien maintenir la fermeture par contre. Hein. Ok, donc là c'était top, hein. Je te laisse te remettre cap sur la carrière. Là c'est très très bien, hein, Gaël, c'est juste qu'il faut, comme je disais,
bien venir plaquer le bras près de l'épaule pour pas que la fermeture nous échappe, quoi, hein, qu'on la garde bien fermée. Eh ben écoute, on est reparti quand tu veux. Allez, on se laisse tomber à droite, on laisse partir la voile en rotation, encore un peu plus. Allez, on contre à gauche à la sellette, tac, on relâche le contre, et on reprend le maintenant, Voilà, très 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 bien ça. Bah, c'est top ça. Bon, bah écoute, je te propose qu'on aille plus loin. Si ça veut, vas-y, on reprend une fermeture, voilà, on en refait une. On va chercher bien haut, et ce coup-ci, on essaye d'aller plus loin. Allez, c'est reparti. Voilà, on se laisse tomber à droite. Allez, encore. Et boum, on a l'autorotation. On contre à gauche, on contre à... Ok. Donc là, on a arraché la fermeture. On a une ressource. On se prépare à une tempo. On se prépare à une tempo maintenant. Très, très bien. Ok, bah donc là, t'as vu, on a quasi validé notre autorotation, Gaël. C'est juste que du coup, eh ben, pareil, la fermeture, tu la relâches. Donc il faudrait vraiment essayer de maintenir cette fermeture tout le long de l'exercice. Tu vois, le but, c'est de ressortir de l'autorotation et d'avoir une aile toujours fermée en vol rectiligne à la sortie. Qu'on a encore assez de gaz, on peut se le retenter une fois. C'est quand tu veux. Allez, on se laisse tomber à gauche ce coup-ci. Allez, on laisse partir encore. Ah, là, elle veut pas y aller. Allez, laisse bien partir. On dirait qu'elle va vouloir pivoter. Ah, il en manque, ça y est, ça pivote petit à petit. Encore. Allez, on contre à droite, c'est plus commande à droite. On ressort. Voilà. Bravo. Tempo. Et on prend tout de suite le cap de l'atterrissage, parce qu'on on a descendu un peu plus loin, tu vois, vu qu'on a mis du temps. Mais bien bravo, droit vers l'atterrissage. Ok, bah c'est mieux, hein, mais vraiment le souci, c'est de réussir à maintenir ses fermetures tout le long. Si dans ta branche vent arrière, ça va être limite sur le côté droit, hein, t'hésites pas à viser plutôt le côté gauche pour faire après une PTU main droite. Hein. Donc, bah écoute, c'est plutôt du bon boulot, hein. les contres ils sont plutôt efficaces. Par contre, il faut essayer de maintenir cette fermeture, quoi. Et du coup, Yannou, le prochain, c'est Gérald avec la F-Gravity verte qui vient de sortir du déco. Ok, bien reçu pour Gérald. On va clipser donc notre commande de frein du côté où on va faire la fermeture. Et après, on regarde bien du côté où on va faire notre fermeture. Regard est posé là-bas. Et quand tu veux, on provoque la fermeture et on se laisse tomber côté fermé jusqu'à l'autorotation. Allez, c'est quand tu veux. Allez, on laisse partir. Encore. Ah, et aujourd'hui, elle va pas vouloir y aller. Ah, ça y est. Allez, on laisse partir. Encore. Ça y est, on est dans l'autoroute. On contre à gauche, L plus commande à gauche. Ok, on relâche le compte. Et on se prépare à reprendre le compte maintenant. Ouais, très bien, ça, c'est parfait. C'est nickel. Je te laisse relâcher la fermeture, Gaël, c'est tout top. Tu te mets face à la carrière. Et puis on va s'essayer l'autre côté, Gaël. Donc on échange de côté, on va faire la fermeture côté gauche, le coup-ci. Et on est parti quand tu veux. Voilà, bien massif la fermeture, que ça parte bien fort. Allez, on se laisse. Allez, on laisse partir. Encore. Et allez, boum, on compte à droite, c'est l'aide plus commande à droite. Ok, bravo, on se prépare la tempo avec les deux commandes. Maintenant. Ok, bah écoute, c'est sur la première est super bien validée. C'est dommage que la deuxième, on ait la fermeture qui nous échappe. Mais bon, il me semble qu'on a quand même bien compris le principe. Donc, bah écoute, on va partir plutôt sur des manœuvres d'évitement maintenant. On est trop bas pour faire de l'autoroute de toute façon.
Donc on va commencer côté gauche. Donc on va agripper l'élévateur droit avec la main. On regarde le bout d'aile gauche. Et là, boum, on enfonce brutalement la main en bas à gauche et on relâche. C'est quand tu veux. Voilà, donc là on voit qu'en enfonçant à peine brutalement la main, tu vois, on a à peine fait un quart tour. Et puis en plus, ça n'a même pas vraiment, tu vois, le bout d'aile, on l'a pas vu décrocher, reculer un peu. Donc on va essayer de faire la même chose, Gaël, sauf qu'on essaye de peut-être de percer, quoi. Faut vraiment que la main elle descende tout en bas jusqu'au cul et de peut-être de maintenir un tout petit peu. Allez, on y retourne. On lâche, voilà, ouais, très bien. Voilà, donc là, t'as vu, on est déjà, c'est mieux, tu vois, on identifie déjà plus un bout d'aile qui se corne un petit peu, donc c'est plus ça qu'on cherche à obtenir. Ok, on a encore de gaz hein, pour essayer de s'en refaire une à gauche, et puis peut-être maintenir un soupçon plus longtemps en bas avant de relâcher et se préparer une petite tempo. Allez, quand tu veux. Tac. Voilà, donc là, tu vois, il aurait fallu peut-être la maintenir un peu plus longtemps. Ok, écoute, on peut réessayer à gauche. Essaye, à limite, ce que tu peux essayer de faire, ou à droite, hein, c'est toi qui vois. Mais ce que tu essayes de faire, c'est qu'on ne maintient pas en bas. Par contre, ce coup-ci, tu te prends un tour de frein. Tu te prends un tour de frein et t'enfonces et tu relâches. Comme ça, on aura plus d'efficacité. Et toujours pareil, on se prépare à la tempo. Allez, quand tu veux. On relâche. Ok. C'est pas mal du tout. Allez, bah, je te laisse tranquillement aller te poser, Gaël. C'est du bon boulot. Et du coup, il y a nous le dernier, Jean-Claude, avec la buzz orange et rouge qui arrive bientôt dans le Ok, bien reçu pour Jean-Claude. Écoute, on va pouvoir y aller. On part en 360 du côté que tu veux. Ok, allez, on est parti à droite. On cherche à faire prendre de la vitesse à l'aile. Encore. Allez, on pousse à gauche, les petites commandes à gauche. Tac, bravo, commande à droite, bravo. Et tempo. Ok, alors, du coup là, ton contre est efficace. T'as vu, dès que je te demande célèbre plus commande à gauche pour contrer, tu ressors vite. Par contre, tu vois, il faut tout de suite, derrière dans la foulée, venir réaxer la ressource avec la commande. Là, tu vois, on l'a pas assez réaxé. Du coup, on a une ressource qui est encore assez dissymétrique. Donc, faut se concentrer là-dessus, le contre nickel, mais se concentrer sur notre ressource bien dans l'axe. Allez, quand tu veux. On est reparti. Voilà, et on va chercher notre vitesse à droite. Encore. Allez, on croppera gauchette plus commande. Commande à droite, bravo. Et tempo. Ouais, voilà, c'est pas mal du tout ça. Et ça c'était, voilà, là c'était tip top, t'as vu, on a un contre efficace, on a une voile qui a un bel axe dans sa sortie, c'est nickel. Eh ben écoute, on y retourne, du côté que tu veux, on y retourne. Ok, on essaye à gauche, donc on est parti, on va chercher plus de vitesse, encore, allez, on contre à droite, c'est plus commande, encore, allez, bravo, commande à gauche, bravo. Et tempo. C'est parfait ça, c'est vraiment tip top de chez tip top. Bon bah écoute, rien à dire, hein. Franchement c'est nickel. Essaye d'en faire une dernière toute seule du côté que tu veux. Tu en fais toute seule, tu fais en autonomie, je te regarde faire. Prépare pour la tempo maintenant. Ok, bon, t'as vu, t'as été un peu moins efficace sur le contre là. T'as vu, t'as mis plus de temps à sortir ta rotation, hein, donc la compensation était pas mal. Il restait quand même un peu de roulis, mais par contre, ouais, le contre, il fallait chercher peut-être plus efficace. Ok, bah écoute, c'est quand même pas mal du tout. On peut se faire une petite manœuvre d'évitement du côté que tu veux. Ouais, nickel ça. On temporise, tac. On peut s'en refaire une petite à droite. Ok, très bien ça. Ok, on ne veut pas se rapprocher plus du lac hein, pour être dans le box. Hein. Plus de la berge.
Eh bah écoute, c'est du bon boulot, hein. Je te laisse tranquillement aller te poser, Gaël. En fait, c'est comme faire un tangage, mais que d'un seul côté, avec les grosses sources. Puis surtout, avoir un regard sur l'aile derrière pour bien la remettre. Ouais. Ouais. Tac, ouais. Tac, ouais. Tac dans l'axe. Voilà, remettre bras haut. Ouais. Et là, tac, venir, tac, venir chercher la tempo dans la foule. Gaël, en fait, pour faire le décro, on va partir avec un. On va faire avec un tour de frein. On va le faire avec un tour de frein, le décrochage, d'accord? Donc, on prend notre tour de frein. Des deux côtés, les bras ils bossent bien, hein, le long du corps, le long des élévateurs, ils ne s'écartent pas. On écarte les papas des genoux pour être bien stable dans sa sellette, on va mettre le regard sur la voile et on descend progressivement les mains jusqu'au point dur qui est le tout en bas. Et quand on a le point dur, on enfonce brutalement pour percer le point dur. Allez, et là on maintient. Voilà, on maintient. Ok, on est ressorti. Ah, donc tu vois, là la voile en fait au moment où ça bascule derrière et au moment où tu reviens dessous, elle bascule vers l'avant parce que t'arrives pas à maintenir les mains en bas. Donc il faut vraiment, avec le tour frein, que tu ailles maintenir en bas et que tu laisses pas la voile revoler, histoire qu'on puisse essayer d'identifier notre marche arrière. Donc on est reparti, Gaël, tour de frein, on regarde la voile. Et allez, on freine progressivement, encore. Et plante à fond. Ok, bravo. Ok, donc là on a une petite cravate à droite. Donc contre à gauche, voilà, ok, on a bien décravaté. Toujours pareil, hein. On est d'abord sur la gestion de notre trajectoire et après seulement on gère les cravates. Bien, donc là ce qu'on va essayer de faire, c'est d'essayer de ralentir la voile le plus possible avant de décrocher. C'est-à-dire que tu descends tes mains et tu essayes de maintenir la voile le plus longtemps possible dans les basses vitesses avant d'enfoncer ton décrochage. Donc toujours pareil, regarde sur la voile. On va descendre les mains tout en bas et on maintient bas pour vraiment la ralentir le plus possible. Voilà. Et là, on enfonce tout à fond d'un bloc. Et on maintient bien en bas. Allez. Boum. Et on maintient en bas. Ok, on relève un tout petit peu. Ok, et on est bravo. Ok, Gaël. Donc là, c'est pas si mal, tu vois, on a réussi à trouver un petit fait demi-tour pour se mettre face arrière. On a réussi à retrouver presque une petite marche arrière et tout, mais tu vois, dès qu'on a relevé un petit peu, on est ressorti, quoi, tu vois. Donc dès qu'on a une porte de sortie vers l'avant, bon, on la prend. Ok Gaël, bah écoute, on essaye de s'en refaire encore un. Donc on pareil, on regarde la voile, on n'est pas bien écarté, on descend progressivement jusqu'à la basse vitesse, vraiment le plus basse vitesse possible. Voilà, encore, on descend plus tes mains, descend. Et puis une fois qu'on est 20, ok d'accord, j'ai compris les oreilles, ça veut dire j'en ai ma claque. Pas de soucis Gaël, bah écoute, je te laisse tranquillement finir ton vol, pépère. Hein. Si tu vas vers le sol, hein, tu fais attention à pas aller trop loin derrière le latéraux. Et puis bon, on fait plus de folie si on n'est pas dans le box. Maintenant c'est à gauche. Voilà, et là tac, c'est à droite tout de suite. Hop, c'est à gauche maintenant. Et commande à gauche, on tient bien l'extérieur. Voilà, c'est à droite. Petite commande à droite. C'est à gauche. Et commande à gauche. Et on tient bien l'extérieur. C'est à droite. Commande à droite. Et on tient bien l'extérieur. Très bien, c'est à gauche. Commande à gauche. On ressort sur celui-là parce qu'on est en train de sortir du box. Attention à revenir plus sur en direction du cap la carrière parce que là, si tu tires ce cours, t'es dans la zone, la zone naturelle. À droite tout de suite.
En fait, là, quand tu fais tes wings, ta sellette intervient trop tard. Donc là, et sellette à droite tout de suite, commande à droite. Ok, sellette à gauche, commande à gauche. Sellette à droite, commande à droite. Attention à l'extérieur. Ok, sellette à gauche, commande à gauche. Ok. Bon, bah, c'est pas mal ces petits wings là. Donc là, quand je te dis pas vraiment, le défaut que t'as, c'est que t'attends trop tard, tu vois, c'est comme dans les roulis en fait. Hein. Dès qu'on est dans le rappel pendulaire, bam, faut tout de suite se mettre en appui à fond à la sellette de l'autre côté. Hein. On fait plus rien maintenant parce que là, t'es hors box, hein, donc tu te concentres surtout sur ton approche. Go!